cette soirée, c'est d'inaugurer déjà le parcours Métrange de manière plus ou moins officielle, d'officialiser aussi le fait que le réseau des bibliothèques est un de nos partenaires avec qui on a envie de travailler, qui possède un fonds de littérature qui est quand même important sur le steampunk et qui revient aussi aux origines de ce qu'est le steampunk, puisque le steampunk à la base est un genre, une esthétique, plus une esthétique qu'un genre littéraire, qui s'est propagé dans toute une culture plus ou moins geek, voire maintenant populaire. Le but de cette rencontre, c'était de mettre en bouche aussi tout le côté exposition qui va commencer à partir de samedi par une production d'une œuvre unique par les éditions de l'endroit, par Mathieu Renard, qui fera une sérigraphie totalement steampunk et qui lancera aussi par le reste les autres expositions qui courront pendant tout le mois d'octobre. Mais c'est aussi une façon de clarifier ce qu'est le steampunk, puisqu'on parle de rétrofuturisme, on parle d'uchronie. Et le but était de donner quelques clés aux potentiels spectateurs, mais aussi lecteurs, pour pouvoir appréhender toute la thématique de cette année qui est souvenir du futur et d'en faire profiter le maximum tout en étant plus ou moins pédagogique.